Ah, le printemps au Québec! Le temps s'adoucit, les bourgeons commencent à se montrer le bout du nez et l'odeur du sirop d'érable en train de bouillir vient nous titiller les narines comme du bonheur olfactif. Aujourd'hui, on ne retrouve plus aucune érablière à Mascouche, mais il faut savoir qu'il y a quelques décennies, tout propriétaire terrien possédant une terre à bois où poussaient des érables exploitait les produits de la sériculture. À Mascouche, on retrouvait des cabanes à sucre tout le long du coteau, sur Saint-Henri, sur Laurent-Saint-Philippe, sur la Côte-Georges et sur Sainte-Marie en direction de la Plaine. Les Mascouchois allaient donc se sucrer le bec aux cabanes chez Madeleine, chez Jacques ou chez Hervé, pour ne nommer que celles-là.